Hey tout le monde, c'est Migosa! Comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va super. Aujourd'hui nous sommes sur un tuto, alors pour la sensibilité, pour un shoot parfait. Donc quand nous nous rendons dans les paramètres, vous allez dans la manette qui est là. Vous allez sur zone morte. Vous voyez que moi je suis à du 20. Pour le joystick de gauche, je suis à du 24. Et pour le joystick de droite, je suis à 10. Pour moi, c'est une très bonne, un très bon shoot. Voilà. Après, c'est vous. Après, ce qu'il y a aussi qui peut changer avec ça, c'est la sensibilité. Mon perso, c'est pas la peine de chercher ma sensibilité. Après, c'est comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez prendre ma sensibilité, vous pouvez. Alors, vous pouvez prendre comme la mienne. Hein, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Quand vous avez une sensibilité trop forte, le shoot n'est pas bon parce qu'il va partir trop loin, vous avez la sensibilité, le viseur va partir trop vite, du coup vous arriverez moins bien à viser. Chose que je peux vous dire aussi, c'est que quand vous faites, quand vous mettez la sensibilité de Y trop forte, vous allez avoir tendance à monter trop dans dans la hauteur. C'est-à-dire, si vous mettez une sensibilité trop basse en X, c'est la sensibilité horizontale, voilà. Et la sensibilité la sensibilité Y c'est pour monter, c'est-à-dire pour monter enfin voilà, vous m'avez compris quoi. Et surtout ce qui est important, c'est le multiplicateur de visée. Vous le changez voilà, vous le changez. C'est comme vous voulez. Si vous avez une bonne sensi, vous mettez la zone morte, ça marche très bien. Hein. Après, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est ne vous mettez pas trop fort la zone morte, parce que sinon vous n'arriverez pas à jouer, ce sera injouable. Vous ne pourrez pas manier le jeu comme il faut. Voilà. Donc personnellement, ce que je préfère faire, moi, c'est ce qui est du joystick gauche, c'est le mettre à 25. Et l'autre, comme dit, soit de droite pour viser, tourner, c'est à 10. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez, voilà. C'est un petit tuto comment avoir un meilleur shoot, et voilà. Sur ce, les gens, je vous dis peace et bonne soirée à vous.